Hey, les gars, on a vraiment pogné une journée idéale pour la dernière, peut-être, ride de l'année, on le sait pas. Mais justement, je voulais parler aujourd'hui des vestes gonflables. Je remarque souvent que les gars, vous en avez une sur vous. On le voit pas des fois. Des fois, toi, elle est en dessous de ton manteau, toi, elle se met par-dessus. C'est quoi l'importance d'avoir une veste gonflable? Une veste gonflable, le principe, là, c'est de protéger les organes vitaux. OK. OK? Donc, ce que ça fait, c'est sur un impact, bien, la veste va se déployer, puis elle va former un cocon qui va protéger de l'impact, puis bien, ça va nous donner des chances de survie supérieures à si on n'avait rien, évidemment. Dans mon cas, c'est une veste filaire. Dans le cas de Jean, bien, il y a des détecteurs de mouvement qui font que la veste va se déployer lors d'un impact. Et puis, bien là, ça, il s'agit vraiment de savoir qu'est-ce qu'on veut comme veste. Et puis, l'important, c'est que la veste soit à votre grandeur et puis de la porter. On ne le dira jamais assez. Oui. Bien, Jean, justement, c'est ça, on parlait des deux différences. Toi, tu as vraiment, en plus, un dorsal avec ta veste, là. Ouais, il y a différentes sortes. En fait, moi, c'est ça. C'est que cette veste-là, contrairement à Sylvain, moi, j'ai pas de bonbons. Bien, des bonbons, il y en a. Oui, il faut que ça se déploie. Mais moi, je suis pas relié à la moto. Comme il disait, c'est des accéléromètres, GPS. Et cette veste-là, ça analyse, c'est 1000 informations à la seconde. Donc, il va toujours détecter où ce qui était en position, etc. Donc, si tu es éjecté, elle va se déployer. Puis effectivement, le dorsal que j'ai dans le dos, c'est comme si j'avais 7 fois un dorsal qui est normal. Donc, la protection là, est vraiment maximale. C'est sûr qu'il y a des budgets là-dedans aussi. T'sais, on parle de 600 $ aller à peu près jusqu'à 1000. Mais les deux sont aussi efficaces parce que le but, c'est ça, comme disait Sylvain, c'est de protéger, oui, les organes vitaux, le dos, la colonne, beaucoup. C'est très, très, très important. Fait que ça va bien t'envelopper. Puis, en complément, il y a certaines vestes, comme celle-ci, quand elle va se déployer, le collet se déploie et tu as aussi une bavette à l'arrière qui va venir protéger le bas de la colonne. Et ça ici, ça va venir tenir la tête quand on porte un casque intégral. Fait que ça fait vraiment un tout qui est solide. Mais ça fonctionne en autant que on souhaite qu'on les porte, évidemment. Bien, justement, Vincent, t'en portes pas présentement. Est-ce que c'est quelque chose qui t'intéresserait d'en porter? C'est quelque chose qui m'intéresse, le fait d'en parler avec les gars. Puis je pense qu'il existe plusieurs modèles. Il y en a avec comme la partie cervicale ou non, dorsale, plus bas. Il y en a qui sont intégrés dans les manteaux. Je pense que le premier frein, pour être très honnête, je pense qu'il y a un côté un peu radin dans tout ça. Puis ça va être plus de prendre le temps d'analyser ça. Puis je pense que l'aspect vraiment organes vitaux, que même si c'est un super de bon saut, bien, s'il arrive de quoi qu'il veut perforer, la veste va probablement te donner une chance de plus. Puis aussi, un manteau, c'est relativement mou. Fait que, je faisais du motocross, je mettais des plastrons, ouais. C'était le fun. On peut quand même mettre un plastron en dessous. C'est ouais. Un peu moins confortable, ça a l'air un peu mieux. Ça a l'air très confortable, la veste à jour. Effectivement, puis c'est même qu'à jour, mais ça reste, tu l'as dit en motocross, parce qu'il faut faire le lien, puis il est très bon ton lien, le plastron, parce que des fois, on a un impact, je t'ai éjecté, je vais tomber à terre, c'est là. Mais souvent, c'est juste la poignée, c'est le guidon qui va virer et qui va venir rentrer ici. Puis tu peux performer pour moi, casser des côtes avec ça. T'es protégé, puis c'est vrai, c'est vraiment plus confortable que des personnes, parce que j'ai les deux, là, je te le cacherai pas. C'est vraiment confortable, on la sent pas. Puis il faut analyser ses besoins aussi, puis il faut savoir qu'il y a des vestes qui ont un abonnement mensuel. Il y a des vestes aussi que, comme celle-ci, moi, ça, elle se déploie, bien, j'aplatis tout ça, puis je change de bonbonne, je peux le faire chez moi, puis c'est pas déchiré, évidemment. Puis il y en a d'autres qu'il faut que tu envoies chez le manufacturier ou un concessionnaire. Tu sais, exemple, comme ce que Sylvain porte, c'est plus convivial. Effectivement, on enlève la bonbonne, on la met. Dans mon cas, quand elle se déploie, il faut la ramener chez le détaillant parce qu'il faut qu'il change l'intérieur complet. Et là, il y a des coûts et ce n'est pas donné. Mais bon, ça ouvre pas souvent, en tout cas, on se le souhaite. Là. Oui. Mais il y a un coût à ça puis il faut le savoir. Les gars, avez-vous un conseil peut-être aux gens qui sont résistants à mettre une veste gonflable? Écoute, l'essayer, c'est l'adopter. C'est plate à dire, là, mais moi, j'en porte depuis plusieurs années. Je fais beaucoup de kilos, puis il me la faut. Mais c'est bien personnel, évidemment. C'est ça. Moi, je te dirais, c'est un choix personnel, mais gardez toujours en tête que c'est un plus, puis c'est pas dérangeant. Puis ça peut sauver des vies. Et oui. Bon, on va continuer à aller rider tout en sécurité. Puis en plus, on a un beau soleil qui commence à sortir. Let's go!